continue. Alors, bi, bino baye, bo yebite, yango e koko malobi. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Jambi. Bon, moi, na bino zani. Car qu'est-ce que votre vie? Vous ne savez même pas ce que c'est votre vie. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Qui paraît vraiment pour un peu de temps. Et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire. Si Dieu le veut, nous vivrons, nous serons en vie, et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Que Dieu répande ses bénédictions sur la parole qui vient d'être lue. Au nom de Jésus Christ, nous pouvons nous asseoir. C'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Ici, il n'est pas question de se glorifier de vêtements. Non. Même pas de l'argent. Même pas de enfants. Même pas de richesses. Mais de se glorifier des paroles. L'orgueil des mots et des pensées. Puisque les paroles qui sortent de la bouche d'un homme, ce sont ses pensées. Ce que l'homme a conçu ou a pensé, c'est ce qu'il fait sortir ensuite. Les paroles, c'est la pensée exprimée. Et la pensée exprimée, c'est la parole. De la même manière pour Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Comme c'est la parole de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu qui ont été exprimées, qui ont été écrites. Dieu a pensé. Et c'est ainsi qu'il a parlé. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il pensait. Parfois nous nous demandons, mais je n'ai pas compris la pensée du Seigneur dans cette affaire. Je ne comprends pas quelle est la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur, c'est la Bible. Dans ton affaire là, si tu veux connaître la pensée du Seigneur, mais cherche-la dans la Bible. La Bible, c'est la pensée du Seigneur. La pensée de Dieu, c'est la Bible. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, cela est vrai. Et c'est vraiment mauvais de se glorifier de la sorte. De la sorte, avec des pensées comme celle-là. Tu as conçu ton projet. Et Dieu n'est pas impliqué dans cette histoire.
J'irai dans telle ville. J'irai au village. J'irai voir mon fils. J'irai voir mes parents. Et là-bas. Je vais rester un mois. L'autre dit, j'irai aussi dans tel village. Je vais y aller pour du commerce. Je sais que je vais gagner. Comme c'est la saison de la culture du maïs. Je vais ramener du maïs. À Kinshasa, je vais vendre. Ou à Chikapa ou à tel autre endroit. Mais toutes ces paroles, Dieu n'a pas de place là-dedans. Dieu n'a pas de place là-dedans. J'irai, je ferai ceci. Ou ceci. Mais où est Dieu dans cette affaire? Toi qui ne sais même pas ce que tu es. Tu ne sais même pas que tu es une vapeur. Vous voyez comment les sœurs préparent. Même si toi, mon frère, tu as besoin de l'eau chaude. Il dit, fais-moi bouillir de l'eau. Je voudrais me laver avec de l'eau chaude. Elle prend la casserole. Elle la remplit de l'eau et elle la place sur le brasero. Et l'eau commence à bouillir. Tu verras une vapeur monter de l'eau. Même si tu places ta main au-dessus de la casserole, tu verras que la main aussi va se mouiller. Ce n'est pas de la fumée qui peut noircir un vêtement. Non. Ce n'est pas de la fumée. C'est l'eau qui est en train de bouillir et qui commence à disparaître. À disparaître, à s'évaporer. Et après quelques temps, et c'est fini, il n'y a plus rien. Tout s'est évaporé. Toute cette vapeur est partie. Tu ne vas plus la voir. Et la Bible dit, c'est toi l'homme. Tu es une vapeur, une simple vapeur. Très bientôt tu vas disparaître. Mais comment tu peux penser comme cela? Celui qui tient ta vie, tu ne l'impliques pas dans tes projets. Toi-même, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ne te glorifie pas de la sorte. Cette manière de se glorifier est mauvaise. C'est mauvais. Aujourd'hui, tu verras même les chrétiens. Si vous vous fixez en vous disant, nous allons nous rencontrer demain. L'un d'entre vous a besoin vraiment que vous puissiez vous rencontrer. Et toi, tu dis, si Dieu le veut. Ça devient encore si Dieu le veut. Mais ça ne doit être que ça, si Dieu le veut. Si Dieu n'est pas impliqué dans cette affaire, rendez-vous na bisoana. Notre rendez-vous là, il ne se réalisera jamais. Et ce que nous voulons faire, nous ne le ferons pas. C'est ça. Nous ne le ferons pas. Voilà pourquoi le frère Jean Kalinda. Frère Joseph. Quand il dit, frère Joseph, toujours c'est là, yo. Nous t'attendons à l'UPN. Quand il dit, frère Jean, si Dieu le veut. Il faut Eza la seconde zambé. Ça ne doit être que ça, si Dieu le veut. Si Dieu ne l'avait pas voulu, si Dieu ne l'avait pas accompli, ce soir, nous n'allions pas nous réunir.
Tout ce que nous nous faisons, sachez que c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Amen, c'est Dieu. Tu peux concevoir un projet pour construire une maison. Si Dieu ne le réalise pas, Dieu ne le fera pas. Mais si tu vois que tu l'as fait et que cette maison est arrivée jusqu'à l'achèvement, c'est que c'est Dieu qui l'a accompli pour toi. Oui. C'est pas toi, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous les glorifions ce soir. Puisqu'il lui a plu que nous puissions nous rencontrer avec vous aujourd'hui. Et il lui a plu que la parole de Dieu soit annoncée par notre canal aujourd'hui. Voilà pourquoi nous pouvons aussi lire le prophète Esaïe. Dans le chapitre 26, au verset 12. Yahweh, Éternel, Ozali kope sabiso kimia. Amen. Tu nous donnes la paix. Ezamo tomosuti. C'est pas quelqu'un d'autre. Yondo zope sabiso. C'est toi qui nous donnes la paix. Kimia ezande likabo ya yo. La paix c'est un don qui vient de ta part. Sabulo kope sa kimia te. Le diable ne peut pas donner la paix. Kope si ya kimia. Le donateur de la paix. Ezande yo Yahweh. C'est toi Éternel. Et si tu ne lis que la partie, cette partie de ce verset, tu verras que le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas un autre qui peut donner la paix. Non. Il n'y a que l'Éternel. Il n'y a que Dieu lui-même. Regarde ici. Garde les doigts dans Esaïe, nous y rentrons tout de suite. Allons un peu, faisons un pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ici nous lisons. Dans Jean au chapitre 14, au verset 27, je vous laisse la paix. Celui qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui peuvent dire que ce n'est pas Dieu. C'est Jésus qui parle. Mais ici, dans le livre du prophète Esaïe, Esaïe avait compris que le donateur de la paix, c'est l'Éternel. Yahweh. C'est l'Éternel. Yahweh. Ah. Ozali kope sabiso kimia. Tu nous donnes la paix. Ah. Et Yesolobi. Et Jésus dit. Nazali koti kelabino kimia. Je vous laisse la paix. Siko Yesoza nani. Mais Jésus là, il est qui? Kasiye wana Yahweh. Mais c'est lui, Yahweh. Eza mutu musute. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Yahweh abuyokani bwakala. Le Yahweh de l'Ancien Testament. Ezande Yesu abuyokani bwasika. C'est Jésus dans le Nouveau Testament. Mupesi ya kimia. Le donateur de la paix. Je vous donne ma paix. Ah. Ce n'est pas la paix de quelqu'un d'autre. C'est la mienne. Je vous la donne. Esaïe avait déjà dit. Yahweh, tu nous donnes la paix. Ah. Et Jésus dit, Nazali kope sabino kimia nangai. Je vous donne ma paix à moi. Yahweh abuyokani bwakala. Yahweh de l'Ancien Testament. Ezande Yesu oyo abuyokani bwasika. C'est Jésus dans le Nouveau Testament. Yende azo pesa kimia. Celui qui donne la paix.
Et il dit, Nazo pesa bino lokola ba mokili bazo pesa ti. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Non. Ezaki mia ya onite. Ce n'est pas la paix de l'ONU. Ezaki mia ya Union africaine. Ce n'est pas la paix de l'Union africaine. Ya Union européenne. Ce n'est pas la paix de l'Union européenne. Te. Non. Oyowana, cette paix-là, celle-là, on la donne par les armes. Vous déchirez. Et après cela, la paix. Oh, yankolo, ezabongote. La paix du Seigneur n'est pas comme ça. Enkolo yesalobi. Et le Seigneur Jésus dit, Tikete motema na bino motumu la masoko mokete. Que votre cœur ne se trouble point. Muzo masoko mokete na mobulu. Qu'il ne s'alarme point. Bomile la lelate. Ne vous alarmez pas. Atako makambo mako komela bino. Même si des problèmes arrivent. Ngai atanakei. Si je pars. Nazo tike na bino kim. Je vous laisse la. Pe nazo pesa bino kimia na ngai. Je vous donne ma paix à moi. Et que c'est nandenge mokili pesa. Et elle est différente, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Soki bosu bosu kimia yango. Si vous recevez cette paix, bobatelango na mitima. Gardez-la dans votre cœur. Pe bokotote na mobulu. Ne vous troublez point. Ah. Pe bomile la lela soko mokete. Et ne vous alarmez point. Et il a encore ajouté ceci. Dans Jean au chapitre 16. Au verset 33. Je vous ai dit ces choses. Afin que vous ayez la paix en moi. C'est pour cela que je vous ai annoncé ces choses. Je ne voudrais pas que vous manquiez la paix. Et que vous preniez la paix. Et cette paix-là, vous la receviez. C'est-à-dire, que vous la possédiez. Mais en réalité, vous allez être. C'est-à-dire que, voilà, Kozala, c'est ça? Être. Mais Kozoande avoir. Voilà. Vous avez dit? Oui, c'est cela. Ah, yango. Mais ah, vous avez traité. Ah, vous avez avoir. Nalubira kibino makamboyo. Je vous ai dit ces choses. Nantinete bojoa kimia katinan. Afin que vous possédiez, vous ayez la paix en moi. Bourgeois, que vous ayez, que vous ne manquiez pas la paix. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui disent, ce n'est pas la paix. Non, le Seigneur ne veut pas que tu manques la paix. Joie, kimia. Possède la paix. Et celui qui devait être consacré, non, butu, à la nuit où il devait être livré. Ah. Il a laissé la paix à l'église. Et il fallait que chacun d'entre nous, tout celui qui est un membre de cette église, qu'il possède cette paix-là dans son cœur. N'est pas la manquer. Même si tu manques beaucoup de choses, mais ne manque pas la paix. Amen. Kusanga kakimia te. Ne manque jamais la paix. Attention, makambo ebimeli andenge na ndenge. Même si des problèmes peuvent arriver, comment? Loko ya liboso liboso kolukete obomba obatelango. La première chose que tu dois garder vraiment en toi. Ezande kimia wana. Ça doit d'abord être cette. Ilungu na motema na yote. Cette paix là, qu'elle ne quitte pas ton cœur. Ilungu na makanisi na yote. Qu'elle ne quitte pas ta pensée. Batelango malamu. Garde-la. Très bien.
Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Mais et il a indiqué le lieu où nous devions avoir cette paix. Et il a dit en moi. Si vous êtes hors de moi, vous n'aurez pas la paix. Mais si vous êtes en moi, sachez que vous possédez la paix. Et vous serez bien gardé. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, partout tu peux trouver des troubles. Mais zone de sécurité, l'unique lieu de sécurité, où il y a paix, le lieu de paix, c'est seulement en Christ. Kotawana. Entre là, Zalawana, reste là, Andawana, demeure là, Bosana, et n'oublie pas, Christ, Zande Diloba. Christ est la parole, Yende Diloba. Lui il est la parole, si tu abandonnes la parole de o Dieu, kimia, tu abandonnes aussi la paix, parce que kimia na yo, puisque ta paix à kaka katina Christo, tu ne la recevras que katina Diloba seulement dans la parole Tika de Dieu, Diloba demeure dans sa parole de Attends, Dieu. Même si les événements peuvent arriver, n'en sors pas. Fanda kaka wana. Demeure-y. Tikala kaka wana. Reste là. Tungama kaka wana. Édifie-toi là. Bonani. Pourquoi? Béalobi. Et il dit. Boko joa minyo kwebele katina moki. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ah! Lilugoyoko bato bazolo ba mwasi libala koleka na monyokote. Et aujourd'hui vous entendez les gens qui disent plutôt non, l'épouse ne passera pas par les tribulations. Non. Akoleka! Elle passera par les tribulations. Akoleka! Elle aura des tribulations. Oui. Abi boko zwa minyoko katina moki. Vous aurez des tribulations dans le monde. Boko zwa! Vous aurez des tribulations. Nous ne prêchons pas un évangile qui annonce chaque jour du bonheur et du bonheur. Chaque jour, les choses marchent bien, les choses marchent bien. L'évangile auquel nous croyons, il y a des années de pluie. Ah. Il y a des années de sécheresse. Il y a des années où les nuages s'obscurcissent. Ah. Il y a des années ça peut arriver à une femme élue que le mari la chasse de son épouse. Elle n'a rien fait de mal. Mais comme ça, il a développé de la haine sans raison. Et il la chasse dehors. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on te fasse, qu'on te maltraite au travail. Ça peut arriver qu'on te fasse souffrir dans la famille. Ou peut-être tes amis. Ou peut-être dans le quartier. Ou même par des faux frères. Ah. Oui. Ils peuvent se liguer contre toi. Ça peut arriver. Amen. Parce que le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. Yambo, yambo, d'abord, il a commencé par leur donner la paix. Puisqu'il savait que les tribulations viendront. Ah. Mais les tribulations viendront après. Comme elles viendront après. Ah, déjà, parce que bien avant qu'elles n'arrivent, il leur a offert la paix.
Même si les tribulations viennent après, elles ne seront pas le bouger, le faire tomber, le faire quitter le Seigneur. Non. Pas question. Parce que déjà dans mes thèmes, dans leur cœur, ils possèdent la paix. Ces tribulations-là ne les feront pas bouger. Ça ne les amèneront pas à être séduits. Casse. Mais moi si libala l'épouse elle ne passera pas plutôt par la grande tribulation. Ah. Mais par les tribulations elle passera. Ah. Elle aura des tribulations. Il n'y aura, ça ne sera pas seulement des tribulations. La paix. Il y a des occasions, elle aura aussi des tribulations. Elle va souffrir aussi pour le Seigneur. Elle sera injuriée. Elle sera humiliée. On va se moquer d'elle. À cause du Seigneur Jésus-Christ. À cause du message. À cause de la parole de Dieu. Amen. Esaïe solo. Cela est vrai. Yahweh a boyoka ni boakala. Yahvé de l'Ancien Testament. Esaïe Yeshu a boyoka ni boakala. Jésus dans le Nouveau Testament. Yahweh. Yahvé. L'Éternel. Ozali ko pesa biso kimia. Tu nous donnes la paix. Tozongi na Esaïe. Nous rentrons dans Esaïe. Jambi nyoso yo tozo sala. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est vrai que nous faisons. Mais ce que nous faisons, là, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Si nous concevons un projet et nous le réalisons, ce qui est vrai, c'est que c'est toi qui l'as réalisé pour nous. Amen. Si nous concevons un programme de faire un voyage et que nous faisons aussi ce voyage, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Si nous concevons un programme de nous marier et que nous obtenons l'argent nécessaire et que nous marions aussi et on nous bénit, yasolo, cela est vrai. C'est toi qui l'accomplis pour nous. Si tu ne l'avais pas accompli, nous n'allions pas le faire. Même les voyages missionnaires. Quand Moïse est parti en Inde. Il est parti à Londres. Il est parti, il est rentré. Tout ce qu'il a fait là. Qu'il a accompli pour nous. C'est Dieu. Si Dieu ne l'avait pas accompli, il ne pouvait pas partir. Il ne pouvait pas faire ses voyages. C'est comme cela. Nous nous croyons comme cela. La bongo, comme ceci. La poko ya lelo, ce soir. Lolenge to telemia wa. Comme nous sommes ici. Pour mayanga nyo makokisa maboyi. Pour que cette réunion masala maboyi. Ndinyo sezo sala mawa. Tel qu'elle a lieu aujourd'hui. Zambende azoko kisango pona biso. C'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Et nous ne sommes pas ici seulement nous. Il n'y a que pas que nous. Il n'y a pas que nous ici. Nous ne sommes pas seuls. Mais il y a lui, il est avec nous. Amen. Il est ici. Amen. Avant que nous ne nous réunissions comme cela, lui, il était déjà ici. Il était déjà. Il a déjà vu. Il a déjà connu. Avant que le monde ne soit créé, ses yeux avaient déjà vu.